venganza tome forma. Sabrás de qué estoy hecho y llorarás una vez que mi venganza tome forma. Te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo. No despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho, hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, llora. Llora, llora, llora. Luis! Patron! Je vous remercie tous d'avoir pris la peine de faire tout ça pour me retrouver. Je savais pas que j'avais autant de succès. Patron, si vous permettez, je veux juste dire une chose très sincère au nom de tout le monde. Oui, vas-y. Ça s'appelle un téléphone. Et il sert à prévenir les gens que tout va bien. Ou dans votre cas, à dire que vous êtes parti ailleurs, patron. Merci, Erasmo. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Bon, allez, asseyez-vous. Boisson pour tout le monde. Oui. Je vais parler à mon père seul. Alors, tu es parti ailleurs, mais où? Tu pourrais au moins me le dire. Eh bien, au début, je comptais pêcher seul. Mais j'ai finalement décidé d'aller à Peña Azul. À Peña Azul? Oui. Pourquoi? Écoute, je voulais rencontrer l'homme qui a gagné le cœur de ma femme. Mais quand j'ai demandé là-bas au sujet de Wiliberto Fregoso, j'ai découvert quelque chose. Oui, j'imagine bien. À Peña Azul, tout le monde connaît Willy. Il avait beaucoup d'entreprises. Non, fiston. J'ai rencontré son fils, Oscar Fregoso, ok? Oui, et pourquoi tu ne m'as pas dit que Wiliberto était mort il y a un an? Quoi? C'est pas vrai. Si, il est mort il y a un an. Donc ta mère a utilisé cette histoire pour m'énerver. Maman m'avait jamais dit que Willy était mort. Pourquoi elle m'a rien dit? Pourquoi? Pourquoi elle m'a rien dit? Ta mère a été très gentille avec moi. Elle n'a pas été impolie. Elle ne m'a pas mal parlé. Tu sais, elle était très triste. Tu lui manques, Raphaël. Et je vois qu'elle t'aime beaucoup. Et moi aussi. Je ne voulais pas leur faire de mal, mais j'ai déçu mon père et j'ai fait pleurer ma mère. Tu regrettes déjà nos fiançailles? Non. Non, c'est pas ça, non. Mais... je n'aime pas que mes parents ne soient pas bien à cause de moi, c'est tout. On savait que ça n'allait pas être facile, mon amour. Je sais, mais tu en vaux la peine. Et je sais aussi que tu ne feras rien passer avant moi. Pas même ta rancune envers mon père. Ah, et j'ai aussi parlé à Isabella. Ouf. On dirait bien que c'était mon jour de chance. Si tu me dis qu'elle veut faire ami-ami, je le croirai pas. Non. Au lieu de ça, elle m'a demandé qu'on ait une relation cordiale entre nous deux. Moi aussi, j'ai été surprise par cette proposition d'Isabella. Et honnêtement, mon amour, je ne la crois pas. Isabella est gentille. Oui. Peut-être qu'elle se rend compte que ça ne lui sert à rien d'être rancunière. Eh bien non. Je comprends que tu dises ça, oui. Mais je préfère suivre mon intuition et garder beaucoup plus de distance. Isabella là-bas et moi ici. Oui, tu as tout à fait le droit. Mais je me sens mal de l'avoir blessée. J'espère qu'elle pourra bientôt refaire sa vie et puis que ça s'arrangera avec elle. On verra bien. Parce que les gens ne passent pas si facilement à autre chose. Isabella t'aimait beaucoup, pas vrai? Et elle est très fière. C'est vrai. C'est pour ça
que ça me fait plaisir qu'elle ait fait un pas vers toi. Hmm? Si seulement ton père pouvait faire de même pour te réconcilier avec lui. Non, non, non. David m'a conseillé d'aller voir mon père. Il a tout à fait raison, écoute-le. Je veux dire, après tout, c'est ton père. Tu souffres de son rejet. Et pourquoi ce serait à moi d'y aller? Mais... non. Raphaël, parce que tu es une meilleure personne. Si tu m'as pardonné, avec toutes les méchancetés que je t'ai faites, tu peux aussi le faire avec lui. Mon amour, avec toi, c'était totalement différent. S'il te plaît... seulement je pouvais encore avoir mon père. Je n'hésiterai pas à lui demander pardon. Mon père m'a dit des choses très blessantes. Parce qu'il était en colère, Raphaël, et toi et moi, on sait ce que c'est d'être énervé. Et si je te le demandais? Oh non, c'est bon de te voir. Alors, raconte-moi. Viens. Pourquoi tu m'as pas dit que Willy Berthaud était mort? J'avais le droit de savoir. Pierrot, mets-toi à ma place, s'il te plaît. Non. C'est juste que tu l'aimais tellement que je voulais t'éviter cette douleur. Il serait parti, de toute façon. Je ne comptais pas l'épouser. Je sais. Ok, Willy me l'a dit, mais il m'a aussi dit que quoi qu'il arrive entre vous, il sera toujours mon ami. Oui. Tout ce temps, j'ai cru qu'il n'avait pas tenu sa parole ou que je n'étais pas assez bien pour être son ami. Non, ne dis pas ça. Il t'a aimé comme un fils. Ah oui. À cause de toi, j'ai pas pu lui dire au revoir. Ce que tu as fait était cruel pour lui et pour moi. J'ai du mal à croire que tu me demandes ça. Eh bien, je peux supporter ton père, si ça te fait aller mieux. Et puis, Raphaël, ta mère y met beaucoup du sien. Elle est venue ici, on a discuté, pour savoir si tu allais bien. Mmh. Tu n'as pas à te décider tout de suite, mon amour. Réfléchis, et pour l'instant, tu restes vivre ici. Je ne peux pas supporter César. César n'est qu'un employé du ranch. Je sais. Et puis, je ne t'ai jamais rien caché. Raphaël, mon amour, je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, ma chérie, je te rappelle qu'il a tiré sur mon père. Reste ici avec moi. D'accord? Reste avec C'est moi. C'est bon, d'accord. Je peux pas résister à ça. Mais si je dois rester, ce sera plus pour travailler comme employé. Ah non? Non. Et donc, qu'est-ce que monsieur veut faire? M'associer avec toi et Juana. Vous avez les terres, je fournis le bétail. T'en dis quoi? Imbécile, j'ai eu tellement peur. Quelle idée de se perdre. Aucun autre homme ne m'a fait pleurer comme toi. Hein? Ah, et pourquoi ça? Hé, hey, toi, arrête d'insinuer des choses, hein? Parce que je suis plus âgée que toi, je te signale. Hey. Alors, qu'est-ce que non, tu non, insinues, arrête, hein? Arrête, non, arrête, non. Calme-toi, s'il te plaît. Quoi? Juana, Juana, arrête. S'il te plaît, Candela, arrête. Non, j'arrêterai pas. Non, mais enfin, pourquoi tu t'énerves comme ça, Juana? Oh. Ça suffit. Viens, écoute. Avant que j'oublie, la Myriam m'a dit qu'elle t'aimait toujours. Petit vénard. Oui. Et si ce Willy Berthaud est parti au paradis, alors la voie est libre, ok? Oui, ah. Je le sais. Myriam était très contente de me retrouver. Oh. Mais... vous avez fait des cochonneries, hein? Tu perds vraiment pas de temps, hein? Tu me raconteras les détails, hein? Comment ça? Oh. Vraiment? Tu veux les détails? Non. Non, ça, je peux pas. Non, oh, non. Les détails de la réconciliation, idiot, je ne suis pas comme ça. Oh. Bon, je vais te laisser. La bière commence à attaquer ton cerveau. C'est bon de te revoir. Oui. Oui. Hé, Louis. Hé. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle?
Tu veux peut-être qu'on reprenne où on s'est arrêté? Allez. Pourquoi tu as dit à Pierrot que Willy était mort? Non, plutôt, pourquoi toi tu lui as caché? T'as pas vu la tête qu'il a fait? Je l'ai pas fait pour ne pas le blesser, mais en fait c'est pire. Maintenant je dois régler ça avec lui. Mais pourquoi tu es parti à la recherche de Willy Berthaud? Parce que je voulais voir le type pour lequel tu m'as plaqué. Mm-hmm. Mais d'abord, désolé qu'il soit mort, je sais qu'il était important pour toi. Mais maintenant, il est au ciel, du coup, pas maintenant, toi et Louis. Moi... Quoi? Ce qui s'est passé entre nous, c'est terminé. Nous sommes des adultes. On passe de bons moments, mais rien de plus. Mais attends, tu as dit que j'étais l'amour de ta vie. Je t'aime, ma belle. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu aimes juste ce qu'il y a de bien entre nous. Je t'ai déjà pardonné. Continue à papillonner entre Rosalina et Candela. Je m'en fiche. Alors tu m'aimes pas? Si tu m'aimes pas, alors pourquoi tu gardes l'alliance sous ton oreiller? Alors? Oui. Bien sûr que oui. Je suis ravie qu'on soit associés. Mais non, attends, d'abord je dois parler à Juana. Et tu dois parler à César. Pourquoi avec César? Je vais lui parler de quoi? Raphaël. Non, c'est non, hors de question. Écoute, Raphaël, si je dois choisir entre César et toi, tu sais que c'est toi qui vas rester ici, mon amour. Mais je ne peux pas le virer comme ça. C'est son travail. C'est injuste de le renvoyer. Pourquoi? C'est bon. Mais c'est simplement parce que tu me le demandes, mon amour. Merci. Je te préviens que s'il dit du mal de mon père, je répondrai. César? Tu peux venir une seconde? Merci. Oui, bien sûr. J'ai demandé à Raphaël de régler vos différends parce que... à partir d'aujourd'hui, César, Raphaël va vivre au ranch. J'imagine que c'est à cause de ton père, non? Dis-moi, pourquoi tu as voulu le tuer? Je pensais que le coupable de l'incendie qui a tué ma fille était Octavio Toscano. Il est incapable de faire ça. Oh, s'il te plaît. Mais ensuite, le vrai coupable est apparu et César s'est excusé auprès de ton père. Quand? Le jour où on s'est vu à l'Hacienda, vers El Milagro. Et si tu doutes de moi, vas-y, demande-lui. Écoute, par chance, mon père va bien. Mais tu aurais pu le tuer. César le sait, Raphaël, et il est désolé. Et puis, il a déjà payé pour son erreur en prison. J'espère que tu comprends pourquoi je ne te fais pas confiance. Je voudrais que tu comprennes la douleur et l'impuissance que j'ai ressentie lorsque j'ai vu ma fille brûler. Écoute. Non, je ne peux pas imaginer, mais... je pense qu'il faut toujours réfléchir avant de... Ah. Je t'assure que... je suis sincèrement désolé pour ta fille. Et pour Fernanda, ne t'inquiète pas. Je ne lui ferai jamais de mal. C'est la seule à m'avoir aidé quand tout le monde me tournait le dos. Ça sera tout, César. Merci. Raphaël? Raphaël! Arrête de le regarder comme ça. On dirait que tu veux le tuer avec ton regard. Je suis toujours pas convaincu. Je sais pas, y a un truc chez lui que je n'aime pas. Il y a de la haine. Fernanda, de la tristesse. Oui, dans ses yeux, comme lorsque je... Comme lorsque quoi? Comme lorsque je t'ai rencontré. Et que je t'ai demandé qui t'avait fait du mal. J'espère que bientôt tu me laisseras connaître le fond de tes pensées. Je te l'ai déjà dit.
Un jour, je te raconterai, mais pas maintenant. Pas maintenant. Tu sais, quand on a parlé toutes les deux, j'ai eu l'impression que Fernanda était sincère avec mon fils. Mais comment tu peux croire cette fille au lieu de soutenir Octavio? J'ai réagi parce que David a dit quelque chose de très vrai à Martina. Parfois, on veut tellement tout contrôler pour nos enfants qu'on finit par les éloigner. Et après, ils ne veulent plus entendre parler de nous. David a l'âme prêtre. Il ne dit que de belles phrases, mais inutiles. Eh bien, je refuse que mon fils s'éloigne de nous à cause de notre amour propre. Et je suis sûre qu'Octavio veut aussi qu'il reste là. Si tu lui dis ça, tu ne feras que l'énerver davantage. Et il sera de très mauvaise humeur. Je dis ça pour toi, bien sûr, parce que tu dois le supporter. Ah, j'en doute. Hier, on s'est réconciliés. Et Octavio était à nouveau le même homme attentif, affectueux, dont j'étais amoureuse. Je suis très heureuse pour toi. Et si tout va bien entre vous, pourquoi ne pas me donner la boucle d'oreille que tu as trouvée et je la jetterai pour te faire oublier ce mauvais moment? Non. Au contraire. Je la garderai car elle me rappelle que je ne dois jamais perdre ma dignité. Et grâce à ça, Octavio a réagi. C'est quoi tout ça, Pierrot? Pourquoi tu veux savoir, Myriam? Ne m'appelle pas par mon prénom, Pierrot Vasquez Solaire, parce que je suis ta mère. Non, non, pardon. Mais ma mère m'a toujours promis de dire la vérité, même si c'était difficile. Vous, je ne vous connais pas, madame. Oh, petit insolent et fils ingrat! De qui il tient ce caractère? Est-ce que je peux aider ton fils? N'y pense même pas, Candela. N'y pense même pas! Pour moi, Octavio aurait dû virer Rigoberto et Carmelo ensemble. Il a toujours pris trop de liberté. Mais non! Rigoberto est un travailleur acharné et très assidu. Ce serait injuste qu'il parte. Ah, tu contredis toujours Octavio. Au moins soutiens-le pour la chose la plus importante qui est de repousser cette Fernanda. Je t'ai dit que je ne voulais pas avoir à choisir entre mon fils et mon mari. Espérons qu'Octavio réagira. Attends un peu au moins. Avec le plan d'Octavio, si ça marche, Raphaël Israël reviendra avec vous. Oui, mais tu sais, j'en doute beaucoup. Parce que mon fils n'est pas du genre à renoncer à ce qu'il veut si facilement. Dans ce cas, on devrait lui montrer quel genre de fille est Fernanda. Ici, on va mettre les bêtes de qualité. Quand il pleuvra, ce sera magnifique. On a assez de terrain pour cultiver leur nourriture. Et en plus, je vais acheter une machine à traire. Et on la baptisera la Juana mécanique. Ok. C'est bien joli, tes petits plans, là. Mais tout ça coûte un paquet. J'ai les économies et le bétail dont on a besoin. Alors, bienvenue dans ton royaume. Oh, donc, on est associés? Moi, je dirais que oui, mais je veux que tout soit écrit, d'accord? Quand c'est écrit, c'est toujours mieux. Et je suis une personne sérieuse. Oui, 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 oui. Macaroni! Macaroni, laisse ce poulet tranquille! Macaroni, laisse cette poule! C'est une sacrée fille. Hein. Alors quoi? On devrait la garder? Regarde. Les voilà. Quoi? Angela t'a aussi recommandé ces écoles? On dirait que t'es en colère que j'étudie. Eh ben oui, ça me dérange que tu lui aies annoncé tes notes avant moi et que tu l'aies emmené fêter ça. Beto, t'es sérieux? Si elle l'a découvert en premier, c'est parce qu'elle était là. C'est bien ce que je dis. Angela est toujours avec toi. Hey, si t'es si jalouse, épouse-moi maintenant. Non, tu perds la tête. Je le ferai pas tant que t'auras pas assez d'argent pour me traiter comme une reine. Alors on se reverra quand j'aurai de l'argent. Non, 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 qu'est-ce qui t'arrive? Viens. Ce qui m'arrive, je fais toujours ce que tu veux. Alors je te reverrai quand je serai riche. Lâche-moi. Beto, Rigoberto. Va pleurer dans les écuries. Tu voudrais pas qu'on te voie avec moi, non? Porque te quiero y quiero olvidar. Estuvo fuerte y doloroso el pleito final.
Marie-Loli, je te rappelle parce que je suis occupée. Bye. Maudite boucle d'oreille, je vais te faire disparaître. Où es-tu? Tu peux me dire ce que tu fais là, Julia ?